Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais un petit peu vous faire une petite intro simple, efficace et pas chère. C'est un test de jeu qui est sorti il y a 2 jours, le 25 mai. On est le 27 à ce moment-là. Mais je vous jure, c'est une pépite. Et je pense que ça peut être un bon moyen en fait de se défouler. Et ça peut même devenir un jeu e-sport, tout simplement. Sur ce, bah... vous pouvez me suivre sur Twitch. Les liens sont dans ma bio, bien sûr. Sur ce, à bientôt. Ouais. Ça a l'air d'être trop bien, franchement, comme jeu. Alors, voyons voir. Let's play Ok. Quick match. Let's look at the main rules of the arena matches. The orange and blue teams are playing in our standard 3 versus 3 arena. Players must score in this goal within the allotted time. When the match starts, the ball drops. Ah ouais, c'est vraiment les mêmes trucs que Rocket League. Watch the lights to see which pillar it will be. You automatically pick up the ball when you get close enough to it. When you take possession, it changes to your team's color. The goal starts off as closed. Before you can score, your team must activate 4 gates. Pass the ball through these gates in the proper order. Start from the first gate near the goal. As you progress, the arena's neon strips will light the way to the next gate. And the ça a l'air tellement compliqué. Will update. You can activate gates from any direction. Throwing the ball through the gate also works. Okay. One gate left, but blue team wants that ball. They go for a tackle, but orange team dodges out of the way. Now that the fourth gate is cleared, the goal is open, and orange could score 1 point. But blue won't have it. The tackle connects, and orange team drops the ball. Now that blue team... c'est vraiment comme les rollers derby. Orange team loses their progress. Time for the orange team to get that ball back. Donc il doit faire... and the ball is back in their hands. Since they lost their progress, they'll have to start again from the first gate. This time, Orange is using teamwork to build up their lap. By passing to each other, they keep their opponents guessing where the ball is going next and quickly activate gates around the arena. The goal is open again. Ah, ok, il doit faire un tour avant de faire... ok, c'est facile. Très facile. Maintenant, il va falloir jouer. But you can't go for more than one lap. Maintenant, il va falloir jouer et ça va être assez compliqué. Alors, on va faire un petit quick match. C'est pour moi un truc très facile, ce jeu. C'est comme le roller derby. Les roller derby, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de ballon. C'est un mix entre roller derby et puis un... get ready, roller fans! Un ballon prisonnier. Fresh off the beach and ready to boogie. Things are just about to kick off here. Okay. In lovely Acapulco. So let's get loud. It's roll. Champions.
Le goal est open. Oh, bâtard. Oh, le bâtard, j'arrive même pas à le choper. Faut que je puisse le bloquer lui. Ah, il est blue le truc. Alors R1, c'est tu fais ça. Ah, c'est pas facile. Ah, c'est pas assez. Ah, le goal, putain. Quand tu vois que c'est la première fois que tu fais... Wow. C'est ça, c'est chaud. Pour prendre la balle, c'est surtout ça. Allez, on... Ok, j'ai pas réussi. Blue.
Ok, c'est bon. Il n'y a que 3 points. Parfait. Par contre, il n'y a que 1 point pour moi. Et pourquoi? Yes! Par contre, j'ai marqué que 1 point. Ça, c'est con, j'ai marqué que 1 point. Par contre, ils ont marqué 3 points. Non. Non, non, non. Salut, salut, salut. Oh, c'est vraiment dommage. Salut, salut, comment vas-tu? T'as passé une bonne journée? Oh, on a perdu 3 à 2. Ouais, quand tu veux. Là, je vais tester une première game. Je vais peut-être aller sur Rocket League juste après. Ouais, super, super. Un peu fatigué, ce qui est normal. C'est un jeu de ouf, ce machin. Allez, on va directement lancer pour sur Rocket League, du coup.